Hey les bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo après celle du 3 avril que j'ai faite hier. Aujourd'hui c'est pour le dimanche 4 avril, les matchs des championnats européens, donc les plus importants qui sont la Liga, la Bundesliga, la Première Ligue et la Ligue 1. La Serie A c'était hier, tous les matchs ont été donc le samedi. Les matchs principaux sont dans la vidéo, tous les autres sont en description. Également, en description, vous avez le lien Telegram. On est de plus en plus nombreux. Venez interagir avec nous. Venez profiter des codes safe et des codes fun. Actuellement, elles passent toutes quasiment. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre. Également, un commentaire, un petit pouce pour valider et pour référencer ma vidéo. Et surtout, abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. Les matchs que je vous propose dans cette vidéo sont Newcastle contre Tottenham en Angleterre, Manchester United contre Brighton. En France, Angers contre Montpellier, Reims contre Rennes et enfin Marseille contre Dijon. En Allemagne, Stuttgart contre Brême, l'Union Berlin contre la Hertha Berlin, le derby donc de Berlin. Et enfin, en Espagne, Séville contre l'Atlético de Madrid, un très gros match. Passons au premier match qui est Newcastle contre Tottenham. Newcastle à domicile actuellement, c'est moyen, mais pour une équipe qui est dans le bas de tableau, c'est pas si mal que ça. Deux matchs nuls et une petite victoire. Donc, sur les quatre derniers matchs, par contre, ils sont sur une défaite et trois matchs nuls. Donc, c'est une équipe qui accroche beaucoup, beaucoup de monde. Tottenham, de son côté, a gagné à Aston Villa. Donc, on va dire qu'ils sont dans la bonne dynamique. Mais leur élimination contre Zagreb et leur défaite à Arsenal dans le derby londonien les a peut-être un peu touchés moralement. Je sais pas, mais en tout cas, sur ce match-là, je vois Newcastle et Tottenham faire match nul, un but partout, car avec la retour de la trêve internationale, ça va être un peu compliqué que des joueurs comme Bale, Harry Kane soient vraiment au top, car ils ont quand même joué trois matchs consécutifs dans cette trêve internationale. Et je vois également les deux équipes marquées. Passons au match suivant, Manchester United qui reçoit Brighton. Manchester United ont perdu à Leicester il y a très peu de temps, avant la trêve internationale, ça a peut-être un peu arrêté leur spirale positive, j'allais dire négative, mais non positive. Ils avaient quand même réussi à être l'équipe qui a cassé la série de victoires de Manchester City lors du derby de Manchester. Voilà, c'est une équipe qui prend très peu de buts et qui est un petit peu mieux à domicile, car à un moment donné, ils gagnaient à l'extérieur et ils se faisaient accrocher à domicile. Brighton, de son côté, c'est deux victoires consécutives à domicile extérieur. Sur les deux derniers matchs, ils ont battu Southampton. Donc voilà, c'est une équipe qui est capable de gagner à l'extérieur. Ils avaient gagné quand même à Liverpool. Certes, beaucoup de monde gagne à Liverpool actuellement. Mais je vois quand même sur ce match-là, Manchester United s'imposer 2-0. Et je vois Manchester marquer plus de 1,5 buts. Passons à la France et Angers qui reçoit Montpellier. Les Angevins à domicile, ce n'est pas la grosse joie. Un nul et deux défaites lors des trois derniers matchs. Montpellier, de son côté, justement, c'est à l'extérieur où c'est vraiment très bien. Ils n'ont même plus perdu tout court depuis le 30 janvier à Lens, contre Lens, à domicile, parce que également Montpellier, ce n'est pas la joie à domicile. Sur leurs 7 derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 victoires et 4 nuls. Sur ce match-là, je vois Montpellier s'imposer 2-1, et je vois Montpellier marquer plus de 0,5 buts pour la cote sécurisée. Passons à Reims, qui reçoit Rennes. Les Rémois, c'est sur les 6 derniers matchs, domicile et extérieur, 2 victoires et 4 nuls. Donc, ils sont vraiment dans une bonne dynamique. Mais sur les matchs à domicile, c'est 3 matchs nuls consécutifs. Ils ont tout de même accroché Lyon, un but partout. Donc voilà, ils reçoivent Rennes, qui est sur une petite série positive. 2 victoires consécutives contre Metz et contre Strasbourg. Mais je vois quand même Reims accrocher les Rennais. Et je vois le un but partout entre ces deux équipes et les deux équipes marquées. Passons au dernier match de la Ligue 1. Marseille qui reçoit Dijon. Les Marseillais, après avoir gagné 2 matchs consécutifs, sur les deux premiers matchs de Sampaoli, se sont fait étrier à Nice en prenant un vieux 3-0. Peut-être que Camara, qui était suspendu, a fait que l'équipe n'a plus tourné, mais bon, il ne faut pas non plus exagérer, hein, c'est que les Niçois ont vraiment très bien joué, Gouiri en tête. Donc bon, Dijon arrive, ils ont 11 défaites consécutives, donc c'est compliqué vraiment. Ils ne marquent pas beaucoup de buts à domicile, mais à l'extérieur, ils ont quand même tendance à souvent marquer un but. En tout cas, c'est ce qui est arrivé 4 fois sur les 5 derniers matchs à l'extérieur. Je vois une victoire de Marseille 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Allemagne
et Stuttgart qui reçoit Brême. Stuttgart reste sur une défaite 4 buts à 0 au Bayern de Munich. Avant, ils avaient fait une bonne série, 3 victoires et 2 matchs nuls. Par contre, Brême, de son côté, c'est 2 défaites consécutives contre le Bayern et Wolfsburg à domicile. Donc c'est quand même une équipe qui, malheureusement, voilà, quand elle tombe contre les gros, elle est un peu en difficulté. Sur les 4 derniers matchs extérieurs, elle n'a perdu qu'une fois. Donc sur ce match-là, je vois un match nul, un but partout, et je vois les deux équipes marquées. Continuons avec le derby de Berlin, l'Union qui reçoit le Hertha. L'Union Berlin n'a perdu qu'une seule fois à domicile cette saison. Par contre, ils réalisent beaucoup de matchs nuls. Ont battu Cologne lors du dernier match à domicile, donc c'est pas mal, un but à zéro. Côté Hertha Berlin, c'est quand même beaucoup moins bien. Ils sont 14e au classement. Ils ont gagné que 2 fois à l'extérieur cette saison. Ils sont sur les 4 derniers matchs sur 3 défaites. Donc voilà, ça va être compliqué pour eux. Je vois l'Union gagner un but à zéro et je vois le Drou no bet sur ce match-là. Passons au dernier match qui est le FC Séville qui reçoit l'Atlético de Madrid. Un très gros choc en Espagne. Le FC Séville s'est bien repris en championnat. 2 victoires et 1 nul sur les 3 derniers matchs. Après leur élimination contre Dortmund en Ligue des Champions, après leur défaite contre le Barça en Coupe d'Espagne. Voilà, c'est vraiment un peu mieux pour le CCV, mais le problème, c'est qu'ils rencontrent l'Atlético de Madrid, qui également est en train de revenir. Ils avaient beaucoup d'avance en championnat, leur avance a fondu malheureusement. Ils se sont imposés contre Alavés lors du dernier match de championnat. C'est une équipe qui, je pense, va se ressaisir, c'est pas possible autrement, avec un Luis Suarez qui a eu la chance d'avoir à la trêve internationale un peu plus ou moins annulée, car les matchs ont été annulés à cause du Covid. Voilà, il faut se rappeler aussi que Séville a un peu du mal contre les gros. Donc je vois sur ce match-là une victoire de l'Atlético de Madrid, un but à zéro à l'extérieur, et je vois même l'Atlético de Madrid marquer plus donc de 0,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 4 mars. N'hésitez pas à nous rejoindre. Les autres matchs sont en description, également en lien. Vous avez le lien Telegram en description, donc rejoignez-nous. On est de plus en plus nombreux. Également, mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce pour référencer la vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!